explorer ce monde sauvage et brutal, mais aussi ces moments de calme, intimes et intemporels. Travailler un portrait comme un extrait, mettre l'accent sur un détail et laisser l'œil libre de le prolonger. Les sujets sont innombrables et me submergent. Comment les traiter tous? Opter pour un sujet fort qui revient en boucle, qui me harcèle et qui m'éveille au matin. Faire un choix parmi tant d'autres. Celui qui vivra en moi pendant des mois. Alors je ressens l'appel de la terre. L'excitation m'envahit et mon esprit s'envole. Je plonge à son contact humide et mes mains s'emballent. La sculpture prend alors forme sous cette matière si vivante. Elle me permet de figer une sensation, elle retient l'émotion. Elle m'offre cette subtilité et finesse qui donne la puissance à une œuvre. Être pris de doute, détruire et refaire. Et puis l'histoire évolue. Elle s'enrichit de textures et de blessures, de désirs et de défis. Et un jour, elle devient évidente. Auprès d'un étang, à la sortie d'un buisson ou d'une brume matinale, raconter cette violence animale, à la vie et à la mort, mais aussi dans la survie. Une espèce disparaît, une autre réapparaît. Voilà l'histoire de mon bestiaire.